Yo, salut à tous, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien. Finalement, ce soir, si vous êtes sur le Discord, vous le savez, j'avais prévu du Skyrim ce soir, et puis ma santé mentale, ma fatigue plutôt intellectuelle, ne me permet pas de le faire, parce que ça demande une concentration quand même assez intense dans ma façon de jouer, narrative, comme je le fais. Et du coup, écoutez, on va se finir, je pense, la saison 1 au troisième épisode de Machine Tea. On va simplement finir ce que l'on a commencé. On va finir la troisième ère finalement du jeu. Hein. Et on va arriver au bout. On va s'occuper du pétrole ce soir et de le transformer pour gagner les jetons. Et je pense qu'en live ce sera terminé. Alors, on va reprendre notre game de tout à l'heure. Laissez tout ça se charger. Oui, salut Amine Gamer. Ça marche, t'inquiète. Ok. Alors, on va basculer là sur la game. Alors, hop, c'est bon. Voilà, on est bon, on est sur la game. Hey dude! Yo free! Ça va bien, Dude? Bah écoute, hein, toutes ces installations complexes, une imprimante, qu'est-ce que tu veux? comme je le disais, je pense qu'en live ce soir, on aura terminé le contenu disponible à l'heure actuelle sur Machine Key. Donc on a atteint la troisième ère. Donc cet après-midi, on a commencé à faire des petits réseaux sympatoches. Donc on a pas mal de quais là. On a automatisé donc la production aujourd'hui d'argent, donc de tokens d'argent, de tokens de bois, de tokens de charbon. On a commencé à automatiser le token également de fer. Et là, donc on a découvert en arrivant dans la dernière ère disponible, la préage du diesel, en fait, on va dire. Le pétrole brut, le pétrole raffiné et les usines que l'on a là. Donc on va s'occuper de ça ce soir. Et je pense qu'on aura terminé le contenu de Machine Key. Alors il faut signaler, voilà, c'est encore une alpha, hein. Donc c'est normal que le contenu soit limité. On n'a que les trois premières aires de développement sur les sept qui normalement intégreront le jeu final. Mais c'est déjà pas mal. Donc on avait fait tout à l'heure ici la gare au niveau de la production des puits en fait, hein, d'huile, que l'on va amener ici à la raffinerie, donc pour le transformer en pétrole. Et on avait déjà posé deux gares, mais on n'avait pas encore posé finalement. D'ailleurs, il vaut mieux que je prenne ici la gare extérieure, puisque là, je suis sur la gare intérieure. Donc, on va rechanger ça. Ce que j'avais changé finalement. Et c'est mieux de venir. Non, pas comme ça. On va changer ça. On va faire ça comme ça. Comme ça, on va pouvoir utiliser deux transports d'huile au niveau du train et on en fera deux pour descendre. Un complexe, très complexe, tu veux dire même, ouais. Pardon. À quand en terres hostiles, Mingamer? Bah écoute, j'en ai fait trois lives d'affilée là. Donc je prends un petit break ce soir sur Minecraft et les terres hostiles. Pardon. Je vais y arriver. Et du coup, comme je suis un peu fatigué, hein, je vous l'ai dit, fatigué intellectuel, on va dire. Voilà, du Machine Key, c'est pas violent comme jeu, ça va le faire. Donc on va prendre la Prussian T3, pardon. On va utiliser les nouveaux wagons donc, que l'on a maintenant de transport d'huile. Voilà, qui sont là. Donc des hatches, c'est bien ça. Le hatch, c'est une sorte de wagon-citerne, en fait. On l'appelle comme ça. Donc on va utiliser plutôt celle-ci. Ah. Par contre ici on consomme des tokens de fer et j'en ai pas des masses. Donc on va plutôt utiliser ça. Ouais. On va s'en mettre 4 comme ça. Et on va démarrer direct le train. Puisqu'il n'y a qu'une gare de gare en gare, on n'a pas de problème. On est bon. Donc là on va directement lancer les extensions. Donc ça va nous coûter du fer. Ça
ça nous coûterait 1000 de tokens d'argent. Et également des tokens de pétrole qu'on n'a pas encore. Donc on va se faire cette extension là. Voilà, on va étendre le pétrole. On va passer à une production de 1,5. On a augmenté de 50%. Donc c'est ce qu'il y a de bien avec Machine Key. Finalement, c'est un jeu entre le jeu de gestion simulation et le jeu casual. On peut tout à fait traiter ça de façon sur les deux plans en fait. En plus, les animations sont plutôt sympas là sur les citernes avec le train qui s'en va. On se fera une capture avec le train qui arrive. C'est plutôt pas mal fait ça. C'est nouveau, hein, je le découvre avec vous là. Puisque la troisième ère est finalement disponible depuis les fêtes. Donc on va se faire le petit comme ça, la petite capture sur les petits puits de forage là. Ok. Donc au niveau du train, hop. Il n'est pas à pleine vitesse, en même temps il est un peu lourd, ça va le faire. On va commencer à livrer ici à la raffinerie. Donc la raffinerie, avec 2 d'huile, va fabriquer un bidon. Et avec 3 bidons, on va faire un token. Me semble-t-il, je crois que c'est ça le ratio. Alors, qu'est-ce qu'on a pour augmenter? Laboratoire de recherche, donc on n'a pas encore les jetons de pétrole, donc on ne peut pas le prendre. Par contre, on peut prendre celui-là. Avec 3, on fera 2. Là, la fabrication des caisses, voilà, ça pourrait être intéressant parce que ça va nous générer également du token d'argent. On va se prendre celle-ci, ça va me prendre pas mal de mes jetons de fer, mais c'est pas grave. Comme ça, on va moins consommer finalement. Voilà, on a pris cette info-là. Comme ça, avec 5, on fera 3. Plutôt qu'avec 6, tout simplement. Comme ça, avec un train finalement de 15, on fera 9 bidons. Et avec 9 millions, on aura 3 tokens. Ça me semble pas mal. Et ces tokens-là, on va aller les faire ici. Ici, dans la factory. La factory, 3 bidons, on va avoir un token plus une caisse. Les caisses que l'on peut revendre ailleurs. Donc là, on va poser notre station. Ça va, ça fera une petite saison hein, sur... Voilà, comme ça va être bon normalement. Donc là, on accepte tout. Bon, ouais, il n'y a pas de souci. On va poser déjà un quai. On va monter. On va tourner un peu plus vite en termes de temps. Ok. Donc là, on se posera plusieurs quais également. Hop. Et là, on avait dit qu'on passerait le plus à gauche possible pour éviter les travaux. Donc on va descendre un peu ça. Parce que j'ai pas... encore des ressources illimitées pour l'instant. Donc vous allez assister en temps direct, en réel, pardon, hop là, au changement météo. On vient de passer en janvier, il y a moins de neige. Vous voyez, ça disparaît petit à petit. Ça, c'est pas mal fait, je trouve, par contre, au niveau gestion. D'avoir ces petits changements climatiques dans un jeu semi-simulation, semi-gestion, c'est pas mal. Alors là, on va passer une première rail. On va la passer au milieu, de toute façon. Il n'y a pas vraiment d'impact. Hop. Ça va nous coûter un peu cher, cette affaire-là. Il va nous falloir plus de passagers, plus de courrier postal également. Ça ramène pas mal d'argent, on l'a vu tout à l'heure. Et pour la descente, finalement, on va mettre un quai à droite. Alors non, on va plutôt dans ce cas-là démarrer d'ici. Je préfère. Hop. Bon, finalement, hein, ce sera une saison assez courte, comme je l'avais prévu. Hein, quand j'ai créé les petites vignettes que j'utilise pour mes rediffs YouTube, j'avais prévu 3 vignettes. Je me disais qu'avec le contenu dispo dans le jeu, ce serait suffisant. Ben, je m'étais pas trompé finalement. C'est bien ça. Donc là, est-ce qu'on a commencé à stocker? On a 19 bidons. Donc là, il faut qu'on ne prenne pas de bidons, par contre. Parce que ces bidons-là, on ne va pas les transporter, du coup, ils vont être perdus. J'aurais dû changer ça avant. Parce que je ne veux pas partager les quais
Parce que sinon, ça va me faire ralentir mes trains et ce serait dommage. Donc, c'est vraiment dommage. Du coup, j'ai pas de bidon ici. Là, on prend pas d'huile. J'aurais dû le changer avant. Sinon, faudrait que je fasse une liaison pour que le train parte de là et qu'on change après. Bon, c'est pas grave. Donc, on va se poser le dépôt. Donc, là, on va faire comme on a fait déjà. Hop, ce fois, on va se faire ça. Est-ce que j'ai l'argent pour acheter un train? Il faudrait quelque chose de rapide là parce que. Alors, la 800 chevaux, on peut pas. Il nous faut des bidons. Du pétrole. Une BR3. La BR3, elle est bien, mais elle coûte cher. En termes d'entretien, là, c'est un peu. Waouh! Et on avait vu que finalement, la plus intéressante en termes de moyenne, c'était la Prussiane. Donc, on va se prendre ça. Et là, il nous faut des wagons de transport de bidons. 8, 20 tonnes à plein. 7, 14. Donc ça nous coûte. Ah, ça nous coûte un peu quand même. Ça coûte cher. On va se prendre ça du coup. On va transporter 5 fûts de. Hop. De pétrole. Donc là, je les ai pas encore. Hein. Pour l'instant, j'en ai que 11 de bidons. Donc sur les 35, voilà. Mais c'est pas grave. Ah, on voit que c'est des flux directement cuves. Ok. Voilà, on va générer nos premiers tokens du coup. Ça, c'est cool. Elle est un peu longue la route. Hein. Ça va pas en produire beaucoup. Hein. Mais on va générer nos premiers tokens de pétrole avec les bidons. Ça, c'est cool. Alors, on est sur quoi, là? 3 bidons, ça donne 1. 2 bidons, ça donne 1 plus ça. Ça, ce serait sympa. On va le prendre. Ça coûte cher. Et on va le mettre avant. Comme ça, avant que ça arrive, voilà. Donc là, on arrive avec 18 bidons. On va regarder combien on a ce temps, du coup. On a chopé 7 jetons. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc on a nos premiers jetons, comme ça. Donc là, le train, il est à plein pot. Ok, maintenant on va doubler tout ce système pour accélérer un peu le traitement. C'est un peu le but. Donc on va laisser tourner ça un tout petit peu quand même avant. Donc là j'ai généré un peu. J'ai pas d'huile en stock. Ouais, on va accélérer ça après. On va aller se refaire un petit peu de tokens d'argent. Et pour ça je pense qu'on va passer. On va transporter du courrier. Le courrier, on a vu que ça marchait plutôt pas mal. Donc le courrier, j'en ai là. Ok, par exemple. J'en ai pas en bas. Par contre, ça c'est con. j'en ai pas là. J'en ai là, mais ça fait un peu loin. On va voir mieux que ça. Alors, ici, on en délivre déjà du courrier. On a combien d'attente? 21 sur 35. Ok. Alors, par contre, vous voyez que là, j'ai des personnes qui attendent également, que j'emporte pas du tout. Je pourrais faire du coup une ligne supplémentaire pour transporter des voyageurs en plus. Ça me fera gagner un peu d'argent aussi. Donc, on va se mettre un quai supplémentaire ici. Et ce quai-là, il ne va pas transporter de courrier là. Mais il va se coupler avec celui qu'on a là. Et il va emporter les passagers qui attendent ici, puisqu'on touche aussi certaines parties des maisons. En termes de quête, on en est où là? Église en ruine, j'avais dit que j'en voulais pas. Je l'ai refusé, mais il me la laisse encore allumée là. Ça, j'ai toujours pas la loco. Donc bon. Et de l'huile, on est en cours. Ça, c'est cool. Alors, donc ça va être pour du. Des personnes, pardon. Voilà.
un petit dépôt là. Ouais, on va le mettre là, on s'en fout. Donc là, on va se faire un petit train de personnes. Comme ça, on va épurer un peu les 400 qui attendent là. Ça nous fera des tokens, ça nous fera de l'argent, du pognon. Donc encore une fois, 3, on va se mettre un train plus petit. C'est rien de courir, on va se mettre une Baldwin. Voilà, elle coûte moins cher en termes d'entretien. Bon, on pourrait même se mettre une petite là. Ça coûte que 1 finalement. Ah non, allez. Voilà, on va se mettre ça quand même. Parce qu'il y a un entretien de 2, mais bon, on va les gagner. C'est pas méchant. Si on mettait que 2 wagons, peut-être ici. Ça nous ferait 50 personnes avec 2 wagons. Les tokens de bois, on en a beaucoup. Pourquoi pas? 50 personnes, c'est bien assez, je pense. Allez, démarre. Voilà, ça va nous faire gagner un peu d'argent facile. Alors, le courrier, vous voyez, ça ramène de l'argent. Si on regarde, vous voyez, 280, 260, 218. Le courrier, ça ramène. Donc là, ça décroît tout simplement parce qu'il n'y a plus de courrier en attente. Mais ça ramène quand même du pognon. Par rapport à son coût d'entretien, ça génère. En sachant que le courrier, il me donne 2 tokens, donc ça double. Là, on a les passagers qui sont pleins. Alors ici, en termes de passagers, on va augmenter ça. Voilà. On va augmenter de 50% les revenus, déjà, ça c'est fait. 25% les revenus, pardon. Ça, on va le mettre un peu partout. Partout, il y a du passager, par contre. Donc, hop, je pouvais pas les faire avant. Le bistrot, là, je l'ai déjà mis. Ok. La vitesse de chargement, déchargement, sur ça, on s'en fout un peu. Ça sert à rien que j'aille chercher plus loin. De toute façon, je prends déjà tout. Alors, où est-ce que je mets des passagers également? Ici, j'ai mis le bistrot ou pas? Non, ben, on va le mettre. Voilà, comme ça on va gagner 25% de plus. Il n'y a pas de coût d'entretien pour ça, je pense pas. Marchandises, transporter les marchandises à 3 villes. Ouais, bon, on va s'en occuper. Parce qu'on commence à générer de l'huile. 23 tokens, donc forcément on produit aussi des caisses. Voilà, l'entrepôt là il est plein de charbon, il est plein de minerais de fer. C'est-à-dire que mon système que j'ai doublé tout à l'heure, il marche. On n'a pas d'extension pour les postes, on avait vu, ça c'est dommage. Mais bon. Alors, passager, j'en ai où du passager aussi? J'en avais ailleurs. Là c'est le charbon. On avait déjà optimisé ici tout ce qu'on pouvait. Et du token de charbon, on en a déjà pas mal. Là, on a des caisses qu'on peut vendre. On a des passagers. J'avais d'autres villes reliées, elles sont. Ah bah ici. Ici. On a 900 passagers qui attendent. On a combien dans le train là? On a que 24. On peut transporter plus que ça là. Il est où le dépôt de ce train là? Il est là. On va l'envoyer au dépôt. Ouais. On va même tac tac. On va vendre ce dépôt là. Ah. On peut pas lui faire demi-tour à l'envoyer au dépôt. Bon, il ira au dépôt après. J'ai pas envie de perdre les passagers quand même. Mais là on a du monde en passagers, donc on va envoyer tout ça au dépôt. On va se faire les revenus plus 25, donc on va se faire le bistrot. On va aller chercher peut-être le courrier aussi, on va voir. Ici aussi on va se faire le bistrot. Là on est en train d'optimiser pour gagner un peu plus d'argent. Hop, va au dépôt toi.
Donc ici extension, tac, le petit bistrot qui fait plaisir. Hop là. On peut peut-être étendre également. Qu'est-ce que ça coûte le poste d'aiguillage? 150 de bois, je les ai. Ça prendrait pas forcément plus d'ailleurs, c'est bizarre ça. Ah, ça est tenté que sur les côtés, ouais, non, ça c'est pas intéressant. Alors mon train est au dépôt, ok, tac. Donc on va vendre tout ça, voilà. Et on va remettre quelque chose de plus puissant. On va se prendre la Prussiane. Et en wagon, on va se mettre du wagon ici. 1, 2, 3. On est un peu lourd, mais ça ira. Hop, démarre. Je pense que le train va suffire quand même. La loco. Pas beau ces wagons-là. Des belles voitures là. Pourquoi il retourne au dépôt lui? Pourquoi il retourne au dépôt ce qu'on a? Non, c'est bon. Avec 75 là de passagers, on va gagner de l'argent. Et là, on en a 1000 en attente aussi, donc ouais, il y a vraiment de quoi faire. Combien on va gagner avec ça? Ouais, ça gagne là. Puis on va le remplir systématiquement, ce train-là. On va vérifier la vitesse. Je pense qu'il atteint sa pleine vitesse. Voilà, il monte. Bon, forcément, il va être ralenti. Et dans l'autre sens, il monte aussi un coup de deux. Ouais, non, ça va, il atteint presque sa pleine vitesse. Donc là, c'est vraiment cette loco-là, là, elle va bien avec trois wagons, finalement. Alors, comme ça, on a régénéré un petit peu de tokens de fer et on a gagné un peu d'argent. Où est-ce qu'on aurait de la poste également qu'on pourrait transporter? Ça gagne bien de l'argent, ça. Là, on en a, mais on en a pas en dessous. On en a là-haut, ça fait un petit peu loin pour faire juste un train postal. Alors les caisses, on va pouvoir aller en vendre là, on a un shop. On n'a pas d'autre shop là-haut, mais on s'en fout, hein, même si la ville n'est pas grande. Il suffit qu'il y ait un shop, hein, voilà. Il achète une caisse, elle nous donne deux tokens. Alors ça, c'est vraiment le pied, ça. Ma production elle est là et là il achète aussi, donc on va même venir le vendre là. Qu'est-ce qu'il produit lui? Lui il me produit des caisses pour l'instant. Tout ce stock là ça me va pas, ça. J'ai 37 caisses de proposer ici, ouais, donc faut surtout arrêter ça. Là je suis en train de poser des caisses ici pour rien, je vais pas pouvoir les emporter. Il va falloir que je fais ce qu'on va faire. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais on va laisser les caisses. On va reconstruire un quai, ça va être plus simple. Je vais le mettre de l'autre côté, mais on va le faire là. Et là, on va exporter nos caisses jusqu'en bas. Jusque là. Il va pas falloir un grand train, je vous le dis. Voilà. Ok, donc là on va se prendre une loco, on va se prendre une Baldwin, hein, il y en a largement assez. Avec elle a qu'un coût d'entretien que de 2. Et on va lui faire transporter les caisses. Donc on a 2 wagons, 12, 7. 30 de fer pour cela, coûte cher, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Voilà, 21 caisses, de toute façon on les produira jamais. En tout cas dans l'immédiat. Parce que là ce sont pas des tokens, hein. C'est simplement des caisses pour générer des tokens d'argent. On n'en produira même jamais autant. On en a 40 en stock, mais on les vend. On les produit pas assez vite. Donc ça n'a rien de.
Alors, on va se mettre l'itinéraire là, voilà. Il va aller ici. Il va aller là. Et il va prendre des caisses et il est parti. On va voir ce que ça nous rapporte là, les caisses, si ça marche bien comme ça. Je pense que c'est vendu là dans le shop. On n'a pas d'extension non plus pour le shop. Peut-être au niveau de la gare, on peut étendre. Je suis pas certain. Ouais, je pense que ça vaut même pas le coup d'aller chercher les gens là. Uniquement au niveau des caisses, on n'a rien de spécial. On va regarder si ça tourne. Il a 14 caisses, voilà. Voilà. Et ça nous génère normalement 2 tokens, voilà, par caisse, ça c'est cool. Ça coûte pas cher. Et on alimente les maisons, donc je suppose qu'en alimentant les maisons, ça doit permettre de débloquer, en tout cas d'accélérer le développement de la ville, ou je ne sais pas, peut-être. Donc maintenant qu'on a régène des tokens, on va pouvoir du coup revenir là et réaugmenter notre production d'huile. Parce que c'était ça en fait, on attendait d'avoir un peu de soin. Donc là on va se mettre une zone intérieure, ok j'ai dit. Donc on se refait une station. On se redesigne un train et on va doubler notre transport d'huile. On produit un 5 et on a 200 de stock. On a largement stocké, ça veut dire qu'on peut transporter. Et ce que j'aime bien dans Machine Key, c'est ce système de jetons. Et ce système, on va dire pas prise de tête. À partir du moment où on avance doucement, on fait attention. Voilà, on n'a aucun souci. Donc là, on colle pas les deux dépôts parce que sinon, ils vont poser problème. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc là on va dupliquer ce truc là, on a une T3 et on a 4 citernes. 4 citernes de 4. Bah écoutez, on est parti. Une T3 qui coûte un peu cher, mais justement on a généré plus de tokens d'argent avec nos caisses pour ça, pour payer ça en fait. C'est un peu le but hein. Je les ai ratés. Je les ai ratés. Ouais, elles sont là. On a mis des niveaux de 4 parce que je voulais pas payer les. Voilà, 4 comme ça. On peut démarrer direct, il n'y a pas besoin de te mettre de chemin. Parce qu'on est sur un aller-retour simple. On a bien désactivé les fûts sont tous là. On en a 8 en attente. Mais du coup, on va augmenter la production puisqu'on va doubler l'arrivée d'huile. On a déjà pris ici. Donc là, on pouvait encore augmenter. Avec de l'huile, là, on fabrique uniquement. Avec 3 huiles, on avait mis ce bonus-là. Donc on va attendre d'avoir les 150 jetons de pétrole pour prendre celui-là. Ce qui va nous permettre de faire 1 pour 1, donc 2 pour 2. Ça va être cool. Après, celui-là, il est cool aussi parce qu'avec 3 huiles en plus, on peut faire 2 caisses qu'on peut vendre du coup à la ville en dessous. Plus 2 tokens d'argent. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Donc on va essayer de se le mettre aussi pour voir ce que ça donne. Donc là, il faut qu'on attende d'avoir 150 de fûts. Et on va doubler, je pense, aussi le transport, parce que maintenant, on va stocker un peu plus, je pense. Lui, il transporte quand même 35 bidons et il n'était pas à plein. Parce que pour l'instant, un seul train, ça suffit. On n'a pas besoin de deux, hein, puisqu'il n'est pas encore à plein. Ah, on n'a pas de caisse là à vendre. Ouais, vous voyez, ce train-là, il est finalement... On pourrait changer la loco et puis on prenne une qui coûte moins cher. Hein, parce qu'on produit tellement pas vite les caisses qu'ils voyagent tout le temps à vide quoi. Bon, c'est pas grave hein, de toute façon. Là on a déjà tout. On est à combien là? On est à 3, ça donne 1, 2 ça donne 1. C'est une caisse. 5 ça donne 2 plus 2 caisses. Ce serait bien aussi ça. Je pense qu'on va le prendre aussi celui-là. Bon, il faut pas mal de tokens là. On va les attendre. On va commencer par augmenter la production là-haut.
Et puis après, on viendra augmenter ici la production en caisse, parce qu'on les transporte, ça coûte de l'argent. Ce serait dommage de s'en passer. Alors, ce train-là, il n'est pas à plein encore, donc. Ça veut dire qu'on n'a pas encore assez d'arrivée de pétrole. Ouais, et on va remettre un troisième train d'arrivée de pétrole. Enfin, d'huile plutôt, non raffinée, parce que. On n'alimente pas suffisamment là en bidon. Donc on peut encore se mettre un tracé intérieur. On y va. On recommence. Tranquille. C'est sympa ce petit système comme ça. Bon là il n'est pas bien régulier. Par contre j'aurais dû faire plus propre. Quand il y aura plus de contenu, bon là je ferai pas une autre saison sur le jeu tout de suite, hein, je vous le dis. Là, on a fait une saison 1 parce que suite à la vidéo découverte que j'avais fait, bon ben voilà, j'avais envie de voir ce qui avait été rajouté dans la troisième ère, ce que ça apportait comme contenu, etc. Donc c'est cool, ça apporte pas mal de choses. Bah tout cette huile qu'on avait pas, etc. Bon. On y reviendra pour maintenant quand le jeu sera plus abouti, certainement quand on aura une version finale avec les 7 ères disponibles. Donc là on va remettre hop, ici le dépôt, comme ça on n'est pas embêté. Ici donc on va se mettre une loco, on va se remettre une Prussiane qui coûte 3 quand même. Mais c'est du pétrole là, faut l'amener donc. Enfin c'est de l'huile plutôt. Et on va prendre toujours cela. 4 pour avoir 16, pareil, allez on démarre. Troisième train. On a 190 en stock. Pour l'instant, mes raffineries, enfin plutôt mes puits, produisent assez. Donc ça, j'ai pas besoin d'améliorer, si on peut encore. Ouais, j'aurai assez pour améliorer là encore la production. On va pas le faire la brute, parce que tant que j'ai du stock, ça veut dire que je produis assez vite. Mais pour 3 trains, je suis pas sûr que ma production à 5 est vite. Quoi, ça marche très bien là, les trains sont quasi à fond. Ils sont pleins. Donc là on va vraiment bien l'alimenter, c'est-à-dire qu'on va générer plus de bidons. Et du coup on va peut-être doubler la ligne de transport qui descend. On va voir, hein, c'est ce qu'on attend en fait de mesurer. Est-ce qu'on a besoin de doubler ça? Mais c'est ce que j'aime bien aussi, cette petite gestion finalement des quais. J'aimais pas au départ parce que ça faisait pas comme ça. Qu'est-ce qui est cool, Doud? Ça marchait pas comme ça au niveau des quais au départ, mais maintenant qu'on puisse cumuler les quais comme ça facilement, c'est fun quoi. Enfin, je suis assez fan hein, du jeu là. Le jeu a bien évolué, hein. Regardez, on peut faire des petits circuits système, et encore là, j'ai pas utilisé de la saison. Ah bah c'est cool si le jeu il te plaît au final. Je pensais que ça te bottait pas comme jeu. Regardez, c'est fun là. On a le train qui part avec hop là, la photo. Le train, les citernes, les animations. Je pensais que ça ne bottait pas comme jeu finalement. Finalement, ce sera une petite saison rapide, hein, mais ça présente bien tout le gameplay du jeu. Donc là, on va récupérer nos tokens d'argent. Construction de voies ferrées. Construisez des voies ferrées. C'est dommage, j'en ai construit plein déjà. Il n'y a pas de souci. Hein. Il nous manque encore 27 de voies ferrées. On va les poser. Les caisses. Ah, il faut livrer à 3 villes différentes. D'accord. Ok, bon, on va livrer à 3 villes différentes. Alors, je ne sais pas où on va livrer ça parce que j'en produis pas des caisses autant que ça. Ça m'embête de faire un triple système là pour livrer juste des caisses. Si, il te plaît bien ce jeu-là? Ah, j'avais pas cru au final, à toi. Ah bah du coup ma gare elle prend des passagers. C'est vrai que je l'ai pas fermé ça. Mais là c'est que du transport de marchandises les gars. Donc on n'accepte pas de passagers. Hein. Non, on prend pas de passagers quoi. Ça n'en prend pas, ça n'en produit pas. On transporte que des caisses là. Donc ça finalement on va la refuser. On s'en fout de celle-ci. Donc on va se construire lui. Hop. Est-ce qu'on a assez de stock là-haut? En termes de bidon, on en a 36, 35, ouais. On peut peut-être se mettre un deuxième train.
Ah, quand c'est bien présenté. Ah. Merci, l'ami. Ça fait plaisir. Bon, après, je fais souvent des fails, hein, vous savez. Mais bon, ça va être sur ce jeu. Bon, 54 bidons. Donc là, j'en produis plus. Ok, donc on peut doubler. On va descendre un deuxième train. Ça va coûter un peu cher, mais on s'en fout. Voilà, le but, c'est de... Hop. De faire descendre le produit. Vous voyez, il en reste 23, donc bon. C'est vrai que sur un jeu comme ça, c'est un petit jeu. C'est entre le bon jeu de gestion simulation et le casual. Donc finalement, on peut jouer tranquille, revenir un petit peu quand on a envie. Alors que c'est plus difficile à faire ça sur Transport River, parce que Transport River, il est plus complexe dans les rails, dans tout ça. Là, c'est du fun, quoi. On pose les rails, ça se pose tout seul. On n'a pas besoin de mesurer la vitesse et tout ça. On n'a pas tous ces problèmes. Donc là, on va amener le quai de l'autre côté. C'est pas bien grave, ça. Je dirais même que ça ne l'est pas du tout. Donc là, on ne va gérer ici que des bidons. Et on ne va pas stocker de caisse. Donc là, on va ramener. Ça, c'est bien aussi, ce petit système, hein. Comme ça, on va ramener vraiment que ici des bidons. Et toutes les caisses seront là pour être prises par nos petits trains à côté. Tranquille, quoi. Voilà. On n'a plus qu'à lancer. On va mettre le dépôt en haut. Parce que ça part d'en haut. Heureusement qu'il y a des fails, sinon c'est moins drôle. C'est vrai en plus. C'est vrai. Carrément vrai même. En plus, ce jeu il est vachement beau. Hein. Avec là, on est en septembre, regardez les arbres changent de couleur. On a les couleurs de l'automne, c'est tout bête. Hein. C'est vraiment tout bête quoi. Mais voilà, un Transport Fever qui est quand même un triple A en termes de jeu, on va le dire comme ça. Une référence, il n'a même pas ce petit détail. Voilà. En sachant que Transport Fever, si vous vous souvenez les amis, combien de fois on a eu des bugs dans les textures? On avait des rails toutes noires, on avait un écran noir, on avait des arbres qui n'avaient pas de feuilles, toutes des tiges. J'avais beau relancer le jeu 4 fois, ça marchait pas, puis d'un coup ça revenait. On n'a jamais compris pourquoi. Donc voilà, tout ça c'est les petits bugs, alors que là, il n'y a pas ça, ça marche très bien. Et puis on a ces petits changements de teinte pour les saisons, on a la neige qui vient sur les bâtiments, sur les arbres. Ça donne vraiment très très bien, quoi. Alors on va pas coller ça, ouais. Donc, on va se faire une petite route là pour mettre le dépôt là, comme ça on les colle pas. Donc là, on va se mettre un petit train, un petit chouchou. Pas besoin d'un gros chouchou parce qu'on stocke pas énormément non plus. Donc je pense que la Prussienne, elle sera bien. Et en wagon, donc pour transporter cette fois-ci les fûts de pétrole, on va se mettre bah, comme ça. Dans cela, parce que je vois, est-ce que je mets des tokens de fer dedans? En même temps, j'en ai un peu stocké là. Bah pour une alpha, écoute, même une alpha très 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 pré-alpha même, il tourne très bien. Il tourne bien, il est beau. Bon. De temps en temps, il y a des petites chutes de FPS, mais c'est une alpha. Sinon, ça tourne bien. En plus, c'est quand même vachement beau. Moi, j'aime bien. On va se mettre des comme ça. On va mettre un peu de... Voilà, on va s'en mettre 3, 36 bidons, ce sera bien. 36 bidons en plus, parce que bon, j'en produis pas non plus des quantités. Regardez là, le train il est arrivé, il m'en reste 39. Okay. On va s'en mettre un quatrième, allez. Go. Comme ça, on va avancer davantage de bidons de pétrole. Maintenant qu'on les a en stock, on les raffine. Par contre, on n'a plus d'huile en stock. Hein. Donc, est-ce qu'on peut augmenter la production encore ici? Ouais, il nous faut 150 tokens, donc j'avais dit on en a 118, on va bientôt les avoir. On va pouvoir augmenter la fabrication là, des bidons. C'est cool. Regardez là, même là, regardez avec les petites animations des flammes là. On va regarder un peu quand notre train arrive. Ça, c'est quand même vachement beau, hein. On a le petit train là qui arrive avec ça. Hop, là, un qui arrive, un qui repart. On a les petites flammes.
Ah, c'est moi je trouve ça quand même bien modélisé quoi, les mecs, ils sont... c'est pas une grosse équipe. Ça tourne bien. On a 126 tokens, on a 3000 tokens, 500, 900, 180 et 100. Bah on est bon. C'est quoi ça? Ils veulent que j'aille dans un de mes trains, c'est ça? Visiter un de vos conducteurs, bah, je le fais souvent, ça. Hein. Voilà. Hop, là j'ai gagné ça. J'aime bien justement regarder un peu ce qui se passe dans mes voies. Regardez. Même là, je veux dire, c'est vachement beau, quoi, regardez. On se croise au niveau des trains comme ça. C'est Machine Key finalement, c'est un jeu qui me fait vraiment penser au petit train qu'on avait quand on était gamin. Les petits trains qu'on avait électriques là. Ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Où on se faisait des petites plaques. Soit en carton, soit en bois, soit en tout ce qu'on veut. On mettait un peu de colle, on posait de la poudre verte pour faire de l'herbe, on posait les rails dessus, on les hissait dessus, on se collait des petits arbres. Je sais pas si vous avez fait ça, hein, les amis. Mais voilà, moi j'aimais bien, et puis ça me fait vraiment penser à ça, les petites photos, comme jeu. Ça me rappelle un peu cette vision. Donc là, on a plus de 13 bidons, on évacue bien, ça va. On a 157, bah c'est cool, ça y est. On peut étendre ici, ce qui veut dire qu'avec deux pétroles, on va refaire deux bidons de plus. Ça, c'est très bien. Pourquoi je peux pas le poser là? J'ai plus de place, non. Et voilà. On va le mettre comme ça. Donc ça y est, avec 2, 1, 3, 2, 2. Ça veut dire qu'avec 7, on fait. Avec cette ville, on fait 5 bidons maintenant. On a un bon ratio. Hein. Avec cette ville, on fait 5. On est sur du 70% quoi. Le ratio, c'est très bon. Bah, on a plus ou moins tous eu des trains électriques, quoi. On se mettait des petits décors, et même les arbres. J'ai l'impression que c'était des petits sapins comme ça qu'on posait, qu'on collait. On mettait un peu de paillettes vertes. Ah, on s'amusait bien. Enfin, moi, je m'amusais bien avec ça. Alors, donc là, on a fait ça. Choisissez une option. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, utilisez la modifiée de 52 pour transférer des passagers dans 6 cités différentes. Non. Ça, je m'en fous parce que je ne l'ai même pas, celle-là, là. C'est comme cette loco-là, je ne l'ai pas non plus. C'est quoi, ça? Livrer 400. Ouais, ça va se faire tout seul, de toute façon. On les a en cours, déjà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut pour passer à l'ère peut-être suivante? Donc les tokens de bois, on les a. Le charbon, on l'a. Le fer, on l'a. Eh ben, on va attendre d'avoir les fûts, là. On en a 17. On les avait, mais je viens de les dépenser. Et puis, on basculera sur l'ère l'early diesel. Donc, je pense qu'on ne l'aura pas, hein, puisqu'on n'a que 3 ères. Et normalement, je les ai faites. Mais bon. En tout cas, on va finaliser cette ère-là. C'est cool. Ça fait des beaux petits circuits déjà là. Et là, ça produit. Hein. On a des caisses. Regardez là, mes caisses maintenant. Ça y est, je commence à en produire là. Davantage. Ici aussi, il nous manque une extension. C'est celle-ci qu'on fera. Celle-ci là. Le fertiliseur. Mais avant de faire le fertiliseur, on validera l'âge où on fera peut-être ça. Avant. De toute façon, ça va aller assez vite à se produire là. Parce qu'on est déjà sur 5 pour 2 en termes de ratio. Hein. Je sais que la capacité du dépôt elle est atteinte là-haut. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour augmenter la production? C'est celui-là. Non, il est où celui-là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on a le charbon qui est stocké à mort et on a le minerai qui est stocké à mort. Donc c'est cette production-là qui ne suit pas. Ou mon transport de barres de fer. Est-ce que je peux encore améliorer ça?
que là je suis déjà à 7 et 10 pour 4,5 en barre de fer. Ouais. Enfin, pour 2, 4, 5, 5. Je ne sais pas pourquoi il met 4,5, c'est 5 que j'ai la barre. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Le haut fourneau. Non, j'ai déjà les deux, oui. Je suis déjà à fond ici. Donc là, je suis à fond là en termes de production. Hein. Je ne peux pas aller plus haut sur mon usine. Là, ma fonderie, elle est à fond. Ouais, je stocke pas de barres, donc je peux pas aller plus haut. Je suis au max de l'usine. Donc là, 46 bidons. Vous voyez, ça va vite, hein, 48. On en gagne. Bon, là, c'est parce que j'ai des dépenses. On en gagne 37 pour l'instant sur la gare. Ça va aller vite. Là, on est vraiment, vraiment bien. On gagne vraiment de tout là. J'ai bien optimisé le petit circuit qu'on a fait. Alors, est-ce qu'on peut se brancher autre chose? Là, on a une usine. Ils veulent des planches et des barres de fer. Des barres de fer, j'en produis pas assez. Donc, bon. Ça sert à rien. Et si j'ai pas les deux, j'aurai pas des caisses. Là, 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 qu'est-ce qu'on a? On n'a pas du courrier là, non. Parce que là, j'ai vu qu'on a une petite patelin, mais on a du courrier. Finalement, ça aurait été bien de le transporter quelque part. Là, on a de l'huile. On a de la forêt. Là, ça donne quoi mes transports là? Ben ça tourne à plein. Hein. Sans problème. Ça tourne à plein. Donc ça, c'est rentable. Hein. Vous voyez, ça produit un hein, 300 tokens là. Le courrier, c'est rentable. C'est tout le temps à plein. On est au max. Après, on pourrait en mettre des quais pour épurer, tout ça, hein, mais bon. Comme là, j'ai 800 passagers qui attendent, et là, j'en ai que 30. Donc, finalement, ça vaut peut-être pas le coup. À moins, peut-être, d'améliorer ici. On a déjà mis le bistrot. Alors le quai, bon le quai j'en ai pas besoin. La capacité de stockage j'en ai pas besoin parce que finalement je suis pas plein. Je peux pas améliorer mes gars, j'ai déjà les deux améliorations qui sont là. Donc. Là je peux rien faire de plus. Ici c'est le charbon, on était déjà au max aussi. Là j'amène pas de fer, le bois je traite pas de bois ici. Dans l'atelier, on le fait de l'autre côté, on en fait suffisamment. Hein. J'ai 800 tokens de bois là. Donc ça m'intéresse pas. Je pourrais amener du bois, mais pas gros intérêt. Je préfère la spécialiser dans le charbon, celle-ci. Donc j'ai du bois à côté. Alors dans la fonderie, qu'avec du charbon, je fais rien. Donc, ça m'intéresse pas, là j'ai du bois. Là, j'ai du charbon. Non, ben, j'ai pas grand chose de plus à optimiser là. C'est pour ça que je veux passer l'air pour voir si on a la suivante. Mais ça, j'ai déjà rejeté, hein, mais il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas me rejeter ça. Elle m'embête celle-ci. Donc là, tout ce qui me manque, ben, on peut le payer ça déjà. Voilà, comme ça, c'est payé. Il nous manque juste là les 30 bidons. On va les avoir. Alors là on a du courrier et là on a du courrier. Ouais, par contre ça me préfère le tour. Bref. On pourrait récupérer des gens aussi, pourquoi pas. On va se faire ça. En attendant que le reste avance. Il nous manque plus grand chose. On va se mettre ça là. C'est bon. On va se mettre direct les extensions. On va aller chercher les gens en dessous. Est-ce que j'ai encore. Ouais. Tout pile. Ah, ça étend pas tant que ça là. Ça m'embête. On va plutôt le mettre comme ça alors.
peu 4. Ouais, je pense que ça va être mieux comme ça, j'espère. Ouais, là je vais prendre tout comme ça, c'est mieux. Non, comme ça, c'est mieux. Hop. Ouais, là je prends à peu près tout. Le courrier et les passagers. Donc ça, c'est cool. On va mettre direct le bistrot, hein, tant qu'à faire. Voilà. On pourrait même agrandir ici si on voulait, mais bon. Et ça, on va l'amener, donc j'ai dit, vers la gauche. Alors, c'est où? On va l'amener là. Ouais, moi ça me parle bien ça. Par contre, comment on va aller attaquer ça? Parce que là, j'ai mis ça ici, du coup. Pas certain de pouvoir recoller ça. Si, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, c'est un peu just, mais bon. Comme c'est surtout du courrier que je veux transporter, mais bon. Est-ce que je peux, du coup, étendre ça? Non, ça par contre ça sert à rien. Comme ça j'inclus un peu de maison aussi. Je vais pouvoir mettre un wagon de passagers en plus. Comme ça j'aurai pas que du courrier. Pour ça va être un train pas rentable du tout, hein. Faut être honnête, hein. Non. Ça va être un train absolument pas rentable, les amis. Mais c'est pas grave, on attend les derniers tokens là de flux de pétrole. Pas rentable du tout parce que vous voyez, il va être super long pour au final transporter trois pauvres courriers. Mais c'est pas grave, on a les tokens, on a 6000 là, de tokens d'argent. Donc... Brut, ça n'est pas grave. Et de toute façon, il faudrait hein, faire des systèmes par la suite. Hein. De toute façon, on sera obligé, j'imagine, par la suite, de faire ce genre de système plus long. Donc là, on va se prendre bah, une T3 parce qu'elles sont très bien. On va se mettre des wagons de courrier. On va se mettre un wagon de passagers. Voilà. Un gros. Comme ça, s'il y a des passagers, bah, on les prendra. Et il y en a un petit peu, donc voilà. Et on va se mettre du courrier. 4. On va mettre 5 de courrier et un passager. Allez, go. Comme ça, il va voyager à plein. Donc là, il voyage à plein, il n'y a pas de problème. Pourquoi il repart au dépôt, là, je ne sais pas. Parce que je ne vais pas spécifier de route, alors du coup, il va repartir derrière. Après, il le fait plus, hein, mais le premier coup, il fait ça. Alors donc là il me dit que j'ai acheté la... Non pas cette Coca-Cola. Il me dit que j'ai acheté... Bah, je l'ai fait ça déjà, voyager dans un train là. Avancement 0 minute 35 secondes. Voyager 0 minute. Donc j'ai voyagé 0 minute. Bon on s'en fout, ça c'est je pense c'est un petit bug. Ah, il file ce train là, dis donc. Il est à plein pot de vitesse là. Hein. En plus, suivant la loco, le type de sifflet n'est pas le même. C'est sympa, on fonce là. Voilà. Donc là on décharge et on va recharger tout ce beau monde. Et voilà, on est reparti. On a fait une ligne de plus. Pas rentable du tout, mais c'est pas grave. Donc on a récupéré nos tokens, ça y est. Il faut en amener 200. Bah, c'est en cours. Donc là voilà, il nous manquait ça pour passer à l'ère du diesel, les amis. Voilà. Hop là. Donc on a terminé, hein, fin de la version anticipée.
Le jeu continue, mais il n'y a ni nouveau contenu, ni nouvelles aires pour l'instant. Donc, comme je l'avais dit, on a trois aires disponibles pour l'instant. Donc, la dernière aire, la troisième qui a été mise en place là, c'est l'aire du pétrole, comme on l'a là. Donc, une transformation en pétrole, ce qui est logique dans l'idée, hein, puisque le pétrole qu'on raffine va nous permettre de passer à l'ère du diesel, comme il le dit, hein. Donc, l'aire suivante sera diesel. Alors, je ne sais pas quand on l'aura, hein. Et voilà dans l'idée. Hein, de ce que le développeur espère donner avec la sortie du jeu définitive, ce seront 7 aires disponibles, en sachant que là on n'en a que 3, donc jusqu'à l'ère industrielle, 16 types de marchandises différentes, 28 locaux et 40 wagons. Donc ça laisse de quoi faire. Bon, après, pour ce qui est du multijoueur, je ne sais pas comment ça pourrait être fait. En coop, en compétition peut-être, je ne sais pas, aucune idée. Et c'est pas ce qui m'attire le plus dans ce jeu, c'est plus la partie simulation. Mais voilà, je pense que cette aire et 16 types de marchandises, c'est vraiment fun. Ça sera fun à jouer. Surtout avec le système de token comme ça. Donc là, j'ai livré les 400, je gagne 450, c'est cool. Donc là, on va encore jouer un petit peu sur la game. Mais voilà, on a fait le tour. Donc là, on était sur une map moyenne. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal. Dans la première partie de découverte, je vous avais fait une map grande. Une 512, là, c'est une 256. Il y a déjà de quoi faire. Après, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, des trains volants. Bon, je pense pas volant free, mais certainement des express, peut-être des trains sur un monorail électrique ou en suspension. Enfin, tu vois, des trains suspendus là, avec champ magnétique, peut-être ce genre de choses. En tout cas, voilà, moi, mes conclusions sur le jeu. Alors, je dirais aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter le jeu aujourd'hui? Si vous avez des petits jeux un peu fun comme ça, pourquoi pas? Après, ça, c'est vous, hein. Moi, je vous ai présenté le jeu, je vous ai fait une saison complète, donc vous voyez maintenant à quoi il ressemble. Après, moi, je suis content d'avoir acheté, parce que c'est un jeu comme ça me permet de suivre en développement, et je pourrais participer, voilà, dans l'idée, au développement, en donner aussi un petit retour au développeur. Parce que j'avais déjà échangé au tout départ avec lui, quand je m'intéressais, je suivais le jeu par Twitter, il m'avait répondu en privé, donc c'est plutôt cool, déjà je l'avais remercié. Donc brut, moi ce que j'aime dans ce jeu, c'est d'une part la gestion de tokens, donc contrairement à Transport Fever, je leur dis encore un coup, mais c'est vraiment, je pense, un des points essentiels, on est obligé de travailler tous les éléments. Vous voyez, là j'ai pas pu me dire, le pétrole je laisse tomber, ou le charbon je laisse tomber, ou le bois, ou le métal, enfin l'acier ou le fer, je laisse tomber comme j'avais fait avec Transport Fever, comme je dirais, hein, pourquoi pas. Le train canard, ouais. Pourquoi avec Transport Fever? Parce qu'il y a des choses qui ne m'avaient pas intéressé, et j'avais pas envie de me relancer dans une modification de circuit pour prendre un minerai de plus, ou voilà. Ça m'avait pas botté. Là, finalement, on est obligé de passer par tous les types de produits ou de minerais. Ça, je trouve que c'est fun. En plus, c'est bien amené, parce que les uns s'imbriquent avec les autres, soit pour pouvoir acquérir de nouvelles locaux, plus rapides, soit pour avoir de nouvelles transformations, par exemple dans une usine, où dans l'usine, on va pouvoir amener du pétrole ou du bois, ou transformer les planches en charbon. Par exemple, si on n'a pas de traitement de charbon, on va amener du bois dans une série, va pouvoir en faire dans un traitement de charbon, il va pouvoir en faire du charbon. Tous ces petits échanges-là, je trouve que sont plutôt sympas. Et ça permet d'avoir des multi-usages sur des factories, hein, des usines, ou des usines de traitement, de raffinage. Et ça, j'aime bien. Après, vous voyez, on peut faire des petits circuits quand même pas mal sympas. Je me suis forcé dans cette game de ne pas utiliser un seul signal également. On va le remettre en plus joli. Ne pas utiliser un seul signal pour montrer que finalement, on n'est pas obligé de les utiliser. On n'est pas obligé de partager des rails ou des quais, ce qui permet de gagner du temps sur ces trains. Et on peut tout à fait optimiser des petits circuits. Encore, je n'ai pas optimisé. On pourrait faire des choses beaucoup plus belles et plus sympas. Donc tout ça, j'aime bien. Après, j'aime bien le côté des extensions qu'on peut poser sur les différents bâtiments, etc. Je trouve que c'est fun. Parce que, voilà, le fait pour les passagers, on ne peut pas faire ça d'ailleurs dans Transport. Hein. Le fait de prendre une gare passager et de lui mettre un bistrot, on va gagner plus d'argent parce que les gens vont dépenser au bistrot.
Voilà, ça je trouve que c'est bien amené. Le courrier, je trouve que c'est bah voilà, c'est bien amené aussi. Et c'est séparé des passagers. Parqué, du coup, on peut choisir les produits qu'on veut attribuer, qu'il peut donner ou recevoir. Ça, c'est bien fait aussi. Les petites quêtes que l'on a ici de temps en temps, genre amener des passagers à un endroit ou relier deux villes, elles sont sympas. Voilà. Bon, c'est encore un petit peu buggé de temps en temps, mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa dans ce jeu? Bah, les graphismes. Moi, je suis très fan, comme on le disait tout à l'heure, Dude. Je me revois un peu dans mes trains, voilà, mes petits trains électriques avec lesquels je m'amusais. Voilà, on se collait des petits bâtiments, on faisait des petites choses comme ça. Et puis, les bâtiments, bon, ont des petites animations assez sympas, comme là, par exemple, pour les raffineries. Voilà, on voit que c'est une raffinerie, c'est bien défini. Il y a les petites flammes en haut. Je veux dire, c'est pas grand-chose, mais c'est les petits détails qui font que. Bah on a ce petit côté, moi je trouve attractif à jouer. Les petites saisons qui passent dans les arbres, voilà, les arbres qui changent de couleur. Tous ces petits détails finalement, on a l'impression que le développeur, oui, c'est une pré-alpha, oui, il y a des bugs. Même si moi, vous voyez, j'ai pas eu de plantage, pas de bug particulier, si ce n'est sur une ou deux, comme ici, celle-ci, elle ne veut pas s'enlever, là, je disais, mais bon, c'est pas méchant. Pas de bug en tout cas gênant réellement. C'est une alpha. Mais j'ai l'impression que le développeur essaye d'y mettre directement du détail en fait. C'est ça. Les petits détails dans les animations, dans les saisons, dans tout ça. Et je trouve que ça le fait bien. Comme là, le fait de pouvoir se mettre en intérieur, d'aller dans les wagons, de les voir se remplir par exemple. Voilà, suivant ce qu'on transporte. Bon là, c'est parce que j'ai pas de minerai à prendre. Bah tout ça, je trouve que c'est fun quoi. Donc voilà, est-ce que c'est un jeu que je vais continuer de suivre? Oui. Est-ce que je vous proposerai une saison dès que le jeu sera beaucoup plus avancé? Oui. Bon, pas tout de suite parce que là, même s'il rajoute l'ère quatrième, voilà, il y a peu de chances que je revienne pour continuer juste le diesel. Je pense que j'attendrai d'avoir 2 heures ou 3 heures de plus, peut-être avant la version finale. On va dire qu'on sera aux 3/4 de la finale, peut-être que je referai une petite série. Vous voyez même ces petites animations là qu'on a. Voilà, au niveau des wagons. C'est assez sympa, on a la petite modélisation comme ça des barres de fer. On peut voyager comme ça dans les wagons, ce qui est assez rare. Je veux dire, Transport Fever le propose pas tout ça. On peut faire le petit coup de sifflet quand on arrive en gare. Suivant la loco, le petit coup de sifflet est différent. C'est des petites choses comme ça, c'est vraiment tout bête, mais. Ouais, ça amène autre chose. Toutou. On croise un collègue. Donc je pense, voilà, j'en parle essentiellement aussi, voilà. Même Torgnole, hein, si jamais tu vois, tu regardes la vidéo, ou si, ouais, bah voilà. Voilà ce que je propose avec l'ère nouvelle. Parce que je sais que tu es fan de transport, tu es fan des jeux de simulation, de gestion. Voilà ce que tu peux t'attendre aujourd'hui. Et moi, je vais continuer de le suivre. Hein. C'est vraiment un bon jeu. Il y a vraiment de très très bonnes idées, surtout au niveau de la gestion des tokens. Parce que là, vous avez vu à plusieurs reprises, hein, à un moment, je manquais de tokens d'argent, donc je ne pouvais plus poser de rails. Par contre, pour avoir une extension, bah, il ne me fallait pas de l'argent, il me fallait des autres. Et ce mélange en permanence, ça, je trouve vraiment que c'est très très bien. Donc là, on n'a plus vraiment d'objectif, puisqu'on a nos dépôts ici qui sont pleins, parce que je ne peux pas traiter suffisamment. Alors. Je serai dans une game plus longue avec une ère supplémentaire, j'optimiserai ça pour l'envoyer ailleurs sur un autre traitement. Voilà. On pourrait se faire tout ça. Ce qui peut me manquer par contre, c'est dans la. J'aime beaucoup aussi le changement ici, mode de visualisation du jeu, en fait, une game, et le mode de fabrication. Pourquoi? Parce qu'au final, quand on est comme ça, bah, finalement, en 3D, enfin, c'est même pas la 3D là, en vue ciel comme ça, sans décor. Ouais, par rapport à la game, c'est beaucoup plus visuel pour tracer ces lignes. On n'est pas embêté avec le décor et tout. Les outils de modélisation de terrain bah, fonctionnent très bien. J'avais un peu pesté au départ parce que je ne les avais pas compris. Mais au final, une fois qu'on les a compris, ça marche très très bien. Pas de souci, on peut poser un peu de déco, je ne l'ai pas fait, mais voilà, pour agrémenter un peu là, on peut poser finalement des petits arbres, comme on le fait avec, voilà, avec Transport Fever.
On peut poser de la déco. Et ça, je trouve que c'est fun aussi. Même si là, moi, je ne l'ai pas fait forcément parce que y a pas vraiment gros intérêt. Voilà. Mais ça veut dire qu'on peut amener aussi cette touche de déco, de personnalisation sur la game. Regardez. Tout de suite, ça a une autre gueule. Donc, on peut aussi s'amuser à décorer, personnaliser. Les arbres sont animés en plus, c'est fun. Ça, c'est sympa. Donc, la seule chose par contre qui pourrait, je pense, améliorer, c'est au niveau des passages ici. Vous voyez qu'on a les tunnels et les ponts. Donc, les ponts, bon, ça c'est tout bête, hein, on fait un pont, voilà. Le pont il se pose, bon, on peut le faire de toute façon. On peut choisir du coup le pont qu'on veut faire. Alors, ça peut être bien par exemple pour passer ici. Si je voulais accéder par exemple ici au poste, je pourrais amener ici un système de train. Et puis voilà, faire un pont, même un pont plus grand, par exemple. Hein. On va le faire en pont suspendu en fer, pour vous montrer un peu ce que ça donne, vous voyez. Donc on peut aussi faire des petits circuits complexes, sans forcément encore une fois utiliser de signaux. Parce que pour moi, les signaux, ils ralentissent les trains. Mais là, on pourrait tout à fait, du coup, hop, on va partir comme ça. Bon là, je l'ai mal posé, hein, mais vous avez vu le principe. Hein. Et on pourrait du coup avoir une gare ici. Pourrais-je le faire d'ailleurs, un tac. Pour récupérer juste le courrier, donc une petite gare ici de froid. Et puis ramener ça comme ça. Alors c'est pas très propre, mais on pourrait faire plus beau. Donc on a ce système de pont qui fonctionne plutôt pas mal, je trouve. C'est assez joli. Hein. Donc on a différents types de matériaux comme dans les autres. Hein. Par contre, le trou que je trouve un peu moins bon, c'est juste ça au niveau des tunnels. On peut pas creuser de tunnel ici comme ça. En tout cas, j'ai pas réussi à creuser des tunnels en fait sous les rails. On ne peut faire que des ponts en fait. Donc ça c'est un peu dommage. Je pense que c'est prévu. Les tunnels finalement ne servant qu'à traverser ici des collines en fait. Voilà, tout simplement. C'est un peu dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que finalement, une fois que j'ai mis un pont par-dessus, eh bien, je ne peux pas revenir faire un pont et repasser avec un pont par-dessus un autre pont. Voilà. Même si je peux monter et descendre. Alors, je vois qu'il y a de quoi monter et descendre. Donc, il y a des chances que par la suite, ils l'implémentent, ce système d'élévation. Donc, soit des ponts, soit des tunnels. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être par la suite venir là. Ah, bah, si je dis des conneries, en plus, regardez, on peut. J'ai rien dit, les amis. Désolé, vous voyez, j'ai bien fait d'essayer, c'est parce que je n'avais pas tiré assez loin. Donc on peut tout à fait. Donc là, on peut pas qu'on soit sous l'eau, d'accord. Donc on peut quand même descendre. Donc c'est déjà implémenté finalement, la descente et montée. Je pensais pas. Je l'avais pas essayé comme ça. Je n'avais jamais tiré assez loin. Donc vous voyez, finalement, on peut aussi faire du tunnel sous des rails. Donc on peut faire des tunnels et puis finalement. Si on reliait ça par exemple, bon, là c'est trop court, je ne vais pas pouvoir. Si on pourrait faire ça et on pourrait refaire un peu par-dessus, ici j'imagine, hein. Voilà, sans problème. Si on se mettait un viaduc en pierre pour changer, et ici la vitesse elle est impactante puisqu'on a une dénivellation. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu les différents matériaux. Mais là encore une fois, c'est une texture qui n'a pas été forcément retravaillée, mais elle est quand même sympa à regarder. Et à passer avec quelques arbres en déco là, tout de suite ça a de la gueule. Hein. On a des rails en dessous, on a un pont à côté, on a un tunnel ici. Le tunnel, ils sont assez fun aussi, je trouve. Voilà. Donc on peut quand même faire des circuits complexes. Alors je suis désolé, hein, je m'étais emballé, mais on peut faire des tunnels. Je vais leur dire parce que j'avais dit non, mais si, si. On peut faire finalement des circuits complexes. Hein. Donc comme on le ferait dans le transport, mais encore une fois sans être quelque part un peu embêté avec le système de voilà, on l'a posé, on voit que c'est 100 km/h sur les ponts en fer, 80 sur les ponts, elle est bien vue comme ça en pierre. Voilà, on n'a pas à se dire, on pose ça, après la rail, elle va faire que 60, que 55, que 72. Donc oui, il y a peut-être moins de subtilité dans la pose des rails, mais en même temps, c'est plus simple et plus fun à faire, parce que ça va vite, et c'est pas l'essence du jeu de poser ces rails. L'essence du jeu, c'est de se designer des circuits comme ça, avec ou sans signaux, mais comme je l'ai fait là, et utiliser après pont et tunnel pour passer au-dessus en dessous, et c'est tout. D'ailleurs, on va tester, est-ce qu'on peut passer un tunnel géant
en dessous ici de tout ce système, je sais pas. Ça fait peut-être un peu long là, peut-être qu'il voudra pas. Ah si, regardez, ça marche parfaitement bien. Au final, ça fonctionne un peu sur le principe de Factorio. Alors, regardez, il peut passer carrément en dessous là. Donc on peut passer même sous les villes et tout et tout et tout quoi. Sous les usines et tout. Donc finalement, je l'avais pas testé ça. Pas comme ça en tout cas, ça marche vraiment très très bien. Ça marche vraiment très très bien quoi. Ouais, donc je pense qu'on peut passer même sous la ville. Ouais, ça passe vraiment même sous la ville. Hein. Donc là, on peut pas descendre plus bas parce qu'après on a de l'eau. Voilà, sous l'eau. Donc parce que je pense qu'il a qu'une seule épaisseur de sol pour l'instant. Ça se voit parce que on va se mettre là. Donc là, on peut passer même sous les villes, hein, regardez. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment avoir des gares intérieures pour les servir et passer carrément en dessous quand la ville se développe. Donc bravo. Bravo au dev, hein. Désolé, j'avais conclu vite. Mais voilà, on peut même poser. Hop, comme ça. On peut même poser finalement des arbres sur la sortie du tunnel. Ça, c'est excellent parce que ça, c'est même pas permis par transport. On ne peut pas poser tout ça comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est bien. Après, ce qui est fun aussi, c'est que vous voyez ici, je veux poser une route. Donc, pour pousser la ville à se développer par là, par exemple. Pourquoi pas? Je peux le faire. Ça va se plier au relief. Et là, il va pas. On dirait un bunker. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux en plus. Voilà. C'est vrai. Caché dans la forêt. Ce que je voulais vous dire, vous voyez, là, j'ai pu poser ça. Ça aurait été avec Transport Fever. Il y aurait une chance sur deux pour qu'ils me disent attention, je peux pas poser des nivellations, machin, impossible de poser la route. Vous vous souvenez, dans ma saison 1, on était obligé de à chaque fois supprimer des petits tronçons, des petites jointures de 2-3 mm de route qui posaient problème en permanence. C'était une vraie connerie, hein. Ça m'a assez fait criser. Voilà. Alors je dis pas que c'est pas bien hein, dans Transport et que c'est pas fun, mais voilà, on crise sur des petites conneries de route. Pendant 1 heure, ça m'est arrivé 1 heure à essayer de poser un bout de route. Alors que là, voilà, on fait tout ça en 4 clics. Et puis, le jeu, il reste fun à jouer. C'est plus simple à jouer. Ça fait presque un jeu casual, mais ça l'est pas du tout. Parce qu'on peut vraiment optimiser tout ça. Bon, là, j'aurais pu, vous voyez, faire finalement un peu comme on fait avec Factorio. Avoir, je sais pas, 40 lignes de train qui desservent vers le bas. Et puis, faire un pont géant. Voilà, un pont géant comme ça. Bon, là, je peux pas parce que il faut qu'il. Là, je peux pas qu'on soit au-dessus ici. Mais j'aurais pu si j'avais que des rails, je pense, quelque part. Faudrait un endroit qu'avec des rails. Et si j'avais que des rails, je pense que je pourrais, voilà, comme là, faire un pont géant. On va faire le dernier en bois qu'on n'a pas fait. Voilà. Pour vous montrer un peu la texture. Voilà, elle est sympa quand même en bouche comme ça. Vous voyez, on pourrait avoir finalement des flux complets de trains qui montent et qui descendent. Exactement, Doudouet. Ouais. Exactement. Au départ, tu veux juste agrandir une voie, ça coûte des blindes. Alors que là, non. Sur transport, ouais, on est tout à fait d'accord. Vous voyez, là, finalement, ce que j'avais construit ici, c'est ma plus grosse zone industrielle, là. Bon, elle est pas énorme. Hein. Torniol, il se foutrait de ma tronche. S'il était là, il dirait, ouais, c'est t'as même pas optimisé, blablabla. Oui, il a raison. Hein. Mais voilà, j'ai quand même posé une paire de gares, une paire de quais, de rails, de trains. Vous voyez, donc on pourrait tout à fait se dire dans l'idée, hein, optimiser tout ça, faire des grands ponts par-dessus, et au final on aurait des flux comme ça qui monteraient pour rejoindre le nord, le sud par exemple. Après peut-être qu'on aura des générations de maps avec des rivières complètes. Dans ce cas-là, on aurait bah, des flux complets qui pourraient rejoindre les rives nord, rives sud, comme j'avais fait avec Transport. Et puis on pourrait se faire des trucs fun comme ça. Donc franchement, moi je dis ce jeu bravo, parce que pour une version pré-alpha, franchement, il assure quoi. Il assure. Donc voilà, moi je suis vraiment très fan. Après, là, le conseiller, c'est particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Finalement, en 5 heures de jeu, voilà, j'ai fait le tour. Même si on pourrait relier toutes les zones, je
qu'au final, j'ai plein de bois, je pourrais transformer plein de choses. Alors, ça n'aurait pas d'intérêt parce que les tokens que je vais générer ne me serviraient plus, mais on pourrait. En diagonale, les ponts et tunnels, bah écoute, on va regarder, j'en sais rien. On en profite hein, pour ce qui reste de live, on fait l'essai, donc les rails, bien évidemment. Hop. Les stations, on peut pas, par contre, les stations, c'est uniquement à 90. Voilà. Donc, ça, c'était en fait le test. Les ponts. Non, les ponts, c'est à 90 aussi. Ouais, les ponts, on peut pas les. Uniquement à 90 degrés. Pour le pont, donc pour le tunnel, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est 90 aussi. On peut pas les mettre en diagonale. Après, c'est pas gênant parce que quand tu as des systèmes bien organisés comme ça, finalement, derrière, tu te fais simplement des petites portions. Bah comme là, de toute façon, hein, tu passes en dessous, tu te fais une petite portion comme ça sur un 4x4, et puis hop, là, tu repars sur une diagonale, ou tu repars à 90, tu repars comme tu veux. Mais oui, c'était un bon test, je n'y avais pas pensé. Après, la dernière chose que j'aime bien également dans ce jeu, et qui n'est pas dans Transport Fever, c'est la façon dynamique dont apparaissent les éléments du jeu. Je l'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, mais c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Quand j'étais dans l'ère précédente, je n'avais pas encore la gestion du pétrole. C'est-à-dire que les raffineries de pétrole, les puits de pétrole, d'huile, hein, non raffinée, n'étaient pas présentes sur la map. Ça, c'est vraiment important. Et je trouve que ça fait vraiment un gameplay intéressant. Parce que du coup, on optimise son réseau. Et quand on change d'air, et ben finalement, des usines apparaissent ailleurs. Des raffineries là sont apparues. J'en ai eu une ici. J'ai eu un dépôt de pétrole là. Et ça apparaît de façon aléatoire et dynamique. Ce qui veut dire que en début de game, finalement dans le gameplay, on va poser un système de rails comme je l'avais fait. Et après, on est obligé de remettre en question ce qu'on en a posé pour tenir compte des nouveaux emplacements, des nouvelles ressources. Alors là, c'est facile parce qu'on a que finalement 5 ressources que l'on génère. Donc de l'argent, des planches, du charbon, du fer et du pétrole. Mais imaginez quand on aura les 14 ressources que le développeur annonce. On aura donc 14 ressources, soit des ressources brutes, soit transformées, j'imagine. Mais il va falloir à chaque ère, finalement, revoir son système, réoptimiser certains flux de rails pour justement utiliser peut-être des grosses, comme je disais, des grosses zones de triage. On va faire, je sais pas, des paquets de 4 ou 6 voies qui montent, qui descendent, en passant des ponts par-dessus. Et il va falloir faire vraiment ces zones de triage comme ça, ou de passage, pour aller chercher des ressources qui vont apparaître de façon aléatoire. Comme là, vous voyez, cette ville-là, elle est apparue dès que j'ai passé l'air. Elle était à côté de ma forêt, mais elle aurait pu être à côté, collée ici à la ville. Comme les zones de poste, en fait, qui apparaissent au niveau des villes, par exemple. Et finalement, bah, ça demande de constamment revoir son système. Son système de réseau, j'entends. Et ça, je trouve que c'est fun. Alors que sur Transport, on a tout dès le départ. Donc, dès le départ de la game, finalement, tu peux déjà anticiper. Voilà. Là, tu sais que tu as. Si au départ, j'avais su qu'ici, j'aurais ma raffinerie. Eh ben, j'aurais déjà placé mes flux de rails pour la raffinerie en disant attention, là je fais pas ça, je passe ça là, je le mets pas à gauche. Alors que là, finalement, tu le découvres en allant et ça change du coup. T'es obligé de t'adapter en gros. Voilà, je parle beaucoup pour dire ça. Je suis désolé, hein. Bon, je cherche un peu mes mots, mais voilà, c'est ça. T'es obligé de t'adapter de façon dynamique au jeu et ça, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, on a 12 000 d'argent. On a 1100 tokens de bois, 1400 de charbon, 200 et 194. Donc là, on est largement bon. Je pourrais même m'acheter toutes les améliorations là, si je les avais pas encore. Il n'y aurait pas de problème. Comme celle-là, je ne l'avais pas prise. Là, pour augmenter ça, le fertiliseur, on va le mettre. Voilà.
Donc là, du coup, avec 7 ennemis, je passe à 3 plus tout ça. Plus des caisses en plus. Donc là, du coup, j'ai des nouvelles caisses qui arrivent ici. Je viens vendre là. Mais j'aime bien ce système aussi d'extension. C'est vraiment bien fait. C'est bien pensé. Voilà les amis, bah finalement ça fait pas un grand live ce soir, hein. On a fait le tour de ce que le jeu propose, des différentes aires, des trois aires dispo. Je vous ai montré un peu tout ce qu'on pouvait construire là comme type de bâtiment, les améliorations, les ponts, les tunnels. On n'a pas utilisé encore une fois un seul signal, mais bon, les signaux tout le monde connaît, hein. On peut poser des signaux standards et puis on peut leur. Donc ça va permettre au train de s'arrêter si un train est en signal devant ou derrière. Et si on peut, comme on le fait avec les autres, leur donner un sens de circulation pour remettre les voies dans un seul sens, par exemple, pour éviter qu'un train, si on fait des réseaux croisés, prenne une voie dans un autre sens. Moi, je suis pas fan des signaux parce que je trouve que ça ralentit, de partager comme ça des zones de voie, ça ralentit. Donc je suis pas fan. Sinon, on a vu tout le reste, on a vu la déco. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est simplement, bah, là, on a tous nos trains. Voilà. C'est une liste, hein, des lignes, en fait, des trains. Donc, j'ai déjà pas mal de choses, hein, dans la game. On regarde. Avec les wagons, voilà. Bon, là, j'ai pas renommé les trains. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. S'ils sont allumés ou non. Ça, je pense que c'est s'ils sont en gare ou pas. Cette petite icône-là, j'imagine. Ou en chargement-déchargement. Une petite icône, et ça c'est s'ils sont en... ouais, je ne sais pas, là ils sont en chargement déchargement, c'est à gauche avec les drapeaux verts. Donc ça, je sais pas ce que c'est finalement ici, là sais pas ce que c'est cette petite icône là, ça apparaît surtout et ça disparaît. Donc là, je ne sais pas, ça ressemble à une espèce de, je ne sais pas en fait, j'en sais rien. Mais voilà, là on a le visuel. Si je voulais, je pense avoir le détail d'un train, je clique dessus. Après, on peut ici avoir sa rentabilité. Donc là, je suis rentable, il n'y a pas de souci. Sur tous les types de trains, on peut le faire. Dans les infos des trains, l'itinéraire, bah, ça permet ici d'ajouter, d'enlever une gare, de programmer des chargements, dans les types de produits, de sauter sur un arrêt par exemple, si on en a besoin, de faire demi-tour, l'envoyer au dépôt, enfin, du classique, on peut le démarrer et l'arrêter. Que des choses classiques, mais bon, c'est bien fait. Les menus sont propres, ça tourne bien. Ici, on a toutes les différentes gares que j'ai posées. Donc, il y a quand même une paire de gares. Il y a plus de gares que de trains, ce qui est logique. Parce que j'ai des quais multiples, en fait, ce que j'appelle gares, mais c'est des quais. Parce que, encore une fois, je les ai pas renommés. On avait vu qu'on pouvait renommer, hein, l'intégralité des éléments. On a tous les dépôts. Pareil, encore une fois, je mets un dépôt par flux, comme ça, je suis pas embêté. Tous les bâtiments, donc ça c'est tous les bâtiments de la map, c'est pas ceux que j'ai utilisés moi, c'est tous ceux de la map. Je pense, hein, parce que j'ai pas exploité tout ça non. Donc on voit que finalement on a beaucoup de marchands pour vendre les caisses pour l'instant, c'est les premiers objets qu'on a. On a pas mal de bureaux de poste, mais on n'a pas tant de villes que ça finalement pour le transport passager. En même temps, on est sur une map moyenne, hein, mais on n'a pas tant que ça. Surtout les ateliers, on voit qu'on a que 4 ateliers sur la map. 4 scieries. Ah, on a encore des villes là, ok. Des patriotes. Et 4 usines. Donc au final, on a 4 unités de traitement par catégorie. À chaque fois, c'est ça. Et la raffinerie, on en a un peu plus. Donc on en a plus sur ça. Mais sur les produits de transformation, on a 4 usines, 4 ateliers, 4 scieries. Donc on en a 4 à chaque fois, je pense. Là, sur les maps moyennes, donc 4 répartis sur la map, c'est pour ça qu'on n'en a pas forcément beaucoup. Il faut tirer des lignes plus grandes. Et ici, les nouvelles, je pense que c'est la date à laquelle on a eu des messages ici. Donc là, c'est parce que mes dépôts sont pleins, parce que je produis plus que je ne transforme. Voilà, donc on a ces messages-là. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres? Donc ici, c'est pour quitter, sauver. Hein. Bon, il n'y a rien de spécial. Donc ça c'est les paramètres. On va enregistrer quand même la game, on va la garder au cas où.
Donc voilà les amis, voilà ce que ça donne au niveau du jeu. Bon, on va s'arrêter là, ça fera pas un gros live finalement, je suis désolé. J'avais prévu du Skyrim à la base, ça je voulais finir demain après-midi. Mais voilà, comme j'étais un peu fatigué intellectuellement, j'ai dit, ma santé mentale, non, ma fatigue intellectuelle était un peu présente. Et Skyrim, c'est un peu délicat avec la narration, donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc c'est pour construire de la route, hein, il n'y a rien de spécial. On peut en construire là, même si je ne suis pas certain que ça ferait développer une ville d'ailleurs. J'aurais pu essayer au départ, mais bon, je pense pas que ça créerait une ville. Ça permet juste de les étendre, mais pas de les créer. Donc là, on a une petite transformation. Ici, c'est tout ce qui concerne le ferroviaire. Et ici, ce sont les missions. Là, c'est le défilement du temps. Hein. Et ici, le mode construction. Voilà. Voilà les amis. Allez, moi ça va, je suis quand même très fan. Ça a vraiment de la gueule quand même ce petit jeu. Les locaux sont pas si mal définis que ça, en sachant que c'est encore de l'alpha, donc on pourra travailler les modèles par la suite. Ouais, et là on avait tout pris. Ah, du coup, qu'on a posé une gare, vous voyez, le courrier il attend. On a rempli le stock de courrier. Il attend à la gare, il ne sera pas emporté, hein, mais bon. Bah, les amis, on va se laisser là, hein, de toute façon, pour ce live. En tout cas, ça ne sert à rien de rester plus. Je parle un peu dans le vide maintenant. Hop, oui, on va revenir sur le menu. Donc, il n'y a rien de plus sur le menu. Hein. Voilà. Après, le développeur a prévu aussi de pouvoir permettre aux gens de modder la partie. Donc, aussi au niveau des extensions mod. Certainement des modes de gameplay ou des modes peut-être pour ajouter des locaux, hein, comme on l'a sur Transport, pourquoi pas. C'est une bonne idée de permettre, de toute façon, un jeu aujourd'hui qui sort, qui permet pas le modding, c'est un peu délicat. Donc, ouais, surtout un jeu de gestion. Ça, c'est plutôt fun également. Donc les amis, bah écoutez, on va se laisser ici pour ce soir. Donc on a fini, comme je le pensais, la saison 1 en 3 lives hein, sur Machine Key. C'était cool de vous avoir avec moi. Donc moi je vais retourner un peu sur le Discord, du coup qu'il est un peu tôt là. Aller discuter avec vous si vous êtes encore là, par exemple. Donc si vous êtes sur la rediff YouTube, bah, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu. Hein. On a fini l'air, ça y est. À mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas également bah, à mettre un petit commentaire. Encore une fois, pour me dire ce que vous pensez du jeu, des mécaniques, le gameplay du jeu. Voilà, moi ça fait toujours plaisir de voir un peu ce que vous pensez des games. Bon, moi j'apprécie le jeu, mais bon, c'est pas parce que moi je l'apprécie que peut-être qu'il y a des défauts que j'ai pas perçus. C'est toujours bien, ouais. Donc, bah, merci à tous. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ou bah à tout de suite sur Discord si vous êtes là. Allez, ciao tout le monde!